Bonjour à toutes et à tous. Metz-Lens, c'est le choc de la 27e journée de Ligue 2 que nous vous proposons de suivre sur RC Lens officiel, la chaîne du Racing sur YouTube. Le Racing en déplacement chez le leader du championnat, Racing, qui a la ferme intention de s'imposer ici, et ce pour plusieurs raisons. On y reviendra un petit peu plus tard. Le temps pour moi de présenter l'équipe en place aujourd'hui. À la réalisation, eh bien, ça ne change pas, c'est Cédric Barré et on le salue. Et le titulaire, par contre, au poste de consultant pour cette rencontre, c'est un ancien joueur du Racing. Il a un petit peu la pression parce que toute sa famille l'écoute. Il s'agit de Ludovic Delport. Salut Ludovic. Bonjour. Alors Ludovic, avant de parler de ce match qui va nous intéresser, rapidement des nouvelles. Ton actualité aujourd'hui, c'est quoi ? Eh ben, actuellement, je suis en train de passer tous mes diplômes d'entraîneur pour éventuellement devenir entraîneur. Très bien, donc du côté d'Arras, si j'ai bien compris. Effectivement, oui, j'ai intégré l'AFA pour cette saison, pour pouvoir passer mon diplôme et puis surtout pour pouvoir mon expérience de l'étranger à tous ces jeunes. Voilà, parce que pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Ludovic Delport, eh bien, c'est un joueur qui a fait toute sa formation Racing Club de Lens, ses débuts professionnels à Lens, quelques prêts, et la majeure partie de sa carrière c'était en Espagne et notamment à Osasuna, là où il a vraiment brillé. Alors on va, avant de rentrer de plein pied, hein, Ludovic, dans cette rencontre, on va faire un petit détour sur l'extra sportif qui nous a beaucoup occupé cette semaine au Racing, une affaire qui a occupé beaucoup les dirigeants. Il s'agit bien du non-déplacement de nos supporters qui ont été interdits de stade ici. Je vous propose d'écouter Gervais Martel qui s'exprime à ce sujet. Vous verrez le président pas vraiment content. Je souhaitais venir avant le coach, puisque le coach il fera sa conférence de presse au niveau sportif, bien entendu. Puis je ne veux pas polluer le sportif de ça, même si on a prévenu les joueurs et tout. Bon, on a vécu une semaine qui a été extrêmement compliquée. Moi, je suis scandalisé de la manière dont on a traité le RC Lens et directement à travers le RC Lens ses supporters, hein, par rapport à un historique de ce déplacement à Metz qui a été géré de manière incompréhensible. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de jours, on a demandé, même un peu plus que ça, le 1100 places pour aller évidemment pour que nos associations de supporters puissent se déplacer. Ça avait été accordé. Il faut savoir qu'à partir de mardi matin uniquement, on a commencé à être appelé par les services de l'État en nous disant attention, ouais, mais Metz, Lens. Je dis attendez, on leur a répondu tout de suite, attendez, nous les supporters de Lens. Pour moi, c'est certainement les supporters, surtout dans le cadre de ce qu'on fait depuis 5 ans, qui continuent à se déplacer, à venir à tous les matchs et sans incident notoire. Il peut y avoir des incidents, on n'est jamais à l'abri, mais il n'y a jamais eu d'incident notoire avec le RC Lens. Et tout d'un coup, on nous dit, oui, mais attention, première chose, c'est de dire que les gens qui arriveraient avec des places individuelles, qui auraient un signe ostentatoire des couleurs de RC Lens, on ne les laisserait certainement pas rentrer dans le stade. Enfin, déjà, ça a commencé comme ça. Et puis, ça continuait, des discussions mercredi, jeudi, à n'en plus finir. Pour jeudi soir, c'est-à-dire hier, on est à 17h30, un communiqué de la préfecture de Moselle nous disant, voilà... Attendu que on vous autorise que les associations de supporters aient 400 personnes présentes au match. Ce qui est complètement invraisemblable, parce que d'une part, je pense que sur les commentaires qui ont été faits ici et là, on attaque directement les valeurs du club, les valeurs morales du club, l'image du club. Et on sait bien que le club de Lens, sans ses supporters, c'est pas le même club. Donc ça déjà, ça me fout les boules, mais alors à un point pas possible. Et deuxièmement, ensuite, on décrète qu'il y a 400 personnes choisies sur 1100 potentiels. Et bien entendu, je m'en doutais, hein, en ayant travaillé avec mes services, les supporters ont pris la décision hier soir de pas se déplacer, parce que comment voulez-vous aujourd'hui, avec des organisations telles que ça, des autocaristes qui sont prévenus, des gens qui doivent être désignés pour qui, pourquoi, en disant toi t'as le droit d'y aller, toi t'as pas le droit d'y aller. Malheureusement, on n'aura pas de supporters au match de Metz demain. Je dis malheureusement parce que moi je conçois pas le football comme ça. Le football, ça restera quoi qu'il arrive dans l'avenir du football, un sport populaire. Et qui dit sport populaire dit présence des supporters dans les gradins. Alors aujourd'hui en France, on est parti
Hein, pour, je ne sais pas, il y a déjà eu 6 ou 7 déplacements qui ont été interdits supporters. C'est la même chose pour Nice-Marseille, je crois, ce soir. Bon, et là, maintenant, c'est Lens qui est incroyable, qui est montré du doigt. Bon, donc, inutile de vous dire que je ne comprends pas cette décision. Inutile de vous dire qu'on a écrit déjà hier soir tard à toutes les instances de l'État pour exprimer notre mécontentement. Mais c'est comme ça, bon, on va jouer le match évidemment, hein, ça c'est clair. Et puis on jouera sans supporter. Bon, ça c'est quand même le bouquet, parce que sur 25 ans de président, je n'avais encore jamais vu un truc pareil. Mais c'est arrivé avec des décisions. Moi je suis quelqu'un qui suis très légaliste, hein, je respecte les décisions qui sont prises. Mais la manière dont le dossier a été traité, ça dépasse l'entendement, encore une fois, avec une décision définitive rendue hier soir à 17h30. Ce qui est quand même formidable pour un déplacement de supporters. Des gens qui devaient partir à 6h du matin, samedi matin, donc je vous laisse faire le compte. Ça veut dire un jour et demi avant, on décide de claque en disant voilà, ah, vous pouvez venir, mais en fait vous laissez qui vous voulez à la maison et il y a 400 personnes qui peuvent venir. Voilà ce que je voulais vous dire avant la conférence sportive. Voilà donc pour l'interview de Gervais Martel enregistrée hier lors du point presse d'avant-match avant ce Metz-Lens. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de support à Lensois, il y en a quand même. Il y a une vingtaine qui ont fait le déplacement. Bon, on s'attendait à beaucoup plus de supporters aujourd'hui de Zurich. On a envie de dire c'est regrettable parce que c'est pas vrai, ça ressemble pas au foot. Hein. Non, c'est regrettable. On a un temps magnifique, une grosse affiche de Ligue 2 et malheureusement on n'a pas les supporters Lensois. Je pense que ça aurait été beaucoup plus agréable et mieux pour tout le monde que les supporters soient là. Et voilà, tant mieux pour l'équipe de Sico. C'est lui qui va récolter les fruits des encouragements des supporters lensois parce que certains d'entre eux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, eh bien, se dirigent vers Queville, là où la CFA va jouer ce soir. Je disais tout à l'heure bon, c'était regrettable. On dit que c'était une mission difficile aujourd'hui parce que cette équipe messine est intraitable à domicile. C'est un peu le sentiment d'Antoine Camboiré qui était interviewé hier en conférence de presse. Il était accompagné de Rudy Rioux. On les écoute tout de suite. Nous, on a la chance de pouvoir jouer des gros matchs tous les week-ends. Donc voilà. Après, demain, c'est encore plus parce que c'est le leader quoi, qu'on joue. Une équipe qui a imbattable chez elle, donc voilà, on a un super défi à relever, c'est des défis que moi j'aime. Maintenant, voilà, on s'est préparé, voilà, puis demain on a envie en tout cas, c'est surtout ça. On a envie d'aller réaliser quelque chose, maintenant est-ce qu'on va être capable, mais en tout cas il faut déjà avoir l'envie, être prêt au combat, parce que c'est une équipe très agressive, athlétique, qui engage le duel hein, dès le début du match. Hein. Donc ça, il va falloir être costaud. Puis après, c'est une équipe aussi qui a des failles, comme toutes les équipes. Surpris, non. Et puis, c'est pas la première année qu'il y a des équipes qui font National D2, D2, Première Division. Il y en a eu quelques-unes auparavant. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment un collectif. Voilà, excusez-nous d'avoir coupé un petit peu plus tôt que prévu cette conférence de presse, tout simplement parce que les joueurs sont déjà rentrés sur la pelouse. On va faire une courte pause et on se retrouve, vous en avez l'habitude, pour accueillir nos téléspectateurs de WEO. A tout de suite. Salut à tous, match au sommet aujourd'hui sur WEO puisque le Racing 3ème de Ligue 2 se dépasse chez le leader, le FC Metz. 6 points séparent les deux formations. On espère bien entendu que cet écart ne sera que de 3 points à l'issue du match. On n'en est pas encore là, il y a encore du chemin à parcourir. C'est en tous les cas une mission difficile qui attend les Soriors simplement parce que l'adversaire du jour se montre intraitable à domicile. 33 points sur 39 possibles, c'est le bilan des hommes d'Albert Cartier à Saint-Symphorien. Alors pour commenter, eh bien, on espère cet exploit lensois aujourd'hui. Eh bien, on accueille notre consultant du jour qui n'est autre qu'un ancien joueur lensois. Il s'agit de Ludovic Delport. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, utiliser Ludovic, mission difficile parce que cette équipe messine est impressionnante depuis le début de saison. Elle est même, on a envie de dire, surprenante. Hein. Oui, c'est sûr. Pour une équipe qui est montée l'année dernière de National, on ne les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Maintenant, on va voir le côté positif. En 2014, Lens est très très bon, c'est à l'extérieur, donc on peut espérer une victoire lensoise ce soir. Oui, on le souhaite
fortement. En tous les cas, on va passer tout de suite à la composition des équipes avec l'équipe lensoise, avec Rudy Rioux dans les buts. De gauche à droite, Ludovic Bell, Loïc Landre, Alédine Gaïa et Marcel Tisserand. Quatre milieux, Nomad Janari à gauche, Valdivia Lemoigne pour récupérer les ballons. Willem Cyprien légèrement excentré côté droit. On termine avec Tousgar Koulibaly. On va faire une courte pause puisqu'il y a une minute de silence en hommage d'une personne disparue. Voilà donc pour cette minute en hommage, cette personne disparue. Rapidement la composition Messine avec Carasso, le frère de Cédric que l'on connaît plus du côté de Bordeaux. De droite à gauche en défense, Métaniré, Marshall, Choplin et Bussmann. Deux milieux récupérateurs, Cachy et Rocky. Mbakoto côté gauche et le jeune à droite pour eh bien, animer le jeu côté Messin. Eduardo, une vieille connaissance du Racing, sera en soutien. Du point fort de cette équipe Messine, Diafra Sacco, meilleur buteur de la Ligue 2, à surveiller comme le lait sur le feu. 15 buts déjà marqués dans ce championnat. On espère que Alédine Yaya et Loïc Landre arriveront eh bien, à éteindre toute velléité du côté du joueur formé au FC Metz. Le coup d'envoi dans quelques instants. En tous les cas, les joueurs sont en place, les Messins en grenat et les Lensois en jaune et noir. Nouveau maillot aujourd'hui. Je vous propose d'aller sur rclens.fr pour voir ces images dès que vous le pouvez. Alors, les conditions de jeu, c'est parti. Les conditions de jeu optimales. Hein. Il fait beau, il y a du soleil, il y a du monde dans les tribunes. Et on espère vivre une belle rencontre, en tous les cas, avec un premier ballon et un premier duel entre Alédine Yaya et Eduardo, deux hommes à terre. Alors, on était prévenu, Ludovic, qu'il y allait y avoir des duels. À ce point-là, au bout de la dixième seconde, peut-être pas à ce point-là quand même. Bah, ça annonce le début de match. Voilà, on savait très bien que ça allait être un match assez serré. Deux équipes de haut de tableau, donc voilà, ça annonce la couleur pour la suite du match. Ouais, deux hommes à terre, donc Alédine Gaïa et Eduardo, hein, qui s'entendaient très bien quand ils évoluaient ensemble sous les couleurs du Racing. Il n'y avait pas de méchanceté dans ce duel, c'était un duel aérien. En tous les cas, le ballon a été dévié et attention, premier danger sur le but en soi puisque c'est un corner à suivre. Méfiance parce qu'on sait que cette équipe messine est très efficace dans ce domaine. D'autant plus qu'Alédine Yaya va devoir quitter la pelouse en compagnie d'Eduardo. Donc c'est notre tour de contrôle de la défense qui va devoir laisser ses coéquipiers. On fait confiance aux autres pour dégager ce ballon. C'est Mbakoto qui va le frapper. Et c'est parti pour ce corner au premier poteau. Et c'est dégagé par Pierrick Valdivia directement en touche. Bon positionnement de la défense en soi sur le coup. Pas de danger alors que Eduardo et Ale Yaya reviennent sur la pelouse et peuvent regagner leur poste. La touche est Messine avec Bussmann pour Sacco. Bussmann, le centre instantané et la tête qui passe à côté. Une tête, me semble-t-il, c'est... je l'avoue que j'ai pas trop vu qui a passé ta tête. Cette tête, on va voir sur le ralenti, Ludovic. En tous les cas, un beau centre. Hein. Oui, très bon centre. Le joueur côté droit qui arrive à passer devant son défenseur. Attention à tous ces ballons-là, parce que on peut le payer cash. Ouais, un ballon qui est passé assez largement à côté des buts de Rudy Rioux. Mais c'est vrai qu'avec de là où on est placé, on pensait que ce ballon avait frôlé le poteau. Les Lensois en phase offensive. Avec Jérôme Lemoigne qui gagne son duel aérien. Et Marshall qui peut dégager son camp. Bussmann qui repousse un petit peu le ballon jusque dans les pieds d'Albert Cartier. On est devant le banc Messin et Marcel Tisserand qui peut jouer la touche. C'est bien joué là de la part de Marcel Tisserand pour Cyprien qui avait essayé de jouer dans la profondeur pour Yann Tousga. Attention à la contre-attaque Messine. Avec Eduardo et la bonne intervention de Loïc Landre qui peut lancer l'Alena Nomad Janari. Les Messins ne sont pas vraiment en place. Et le ballon qui est sorti me semble-t-il. Oui, ce sera une touche. Dommage parce qu'on pensait qu'il y avait un coup à jouer. Il n'en est rien. Ce serait une touche Messine. Alors Antoine Comboiré l'a répété en conférence de presse. Attention à cette entame de match. C'est vrai que c'est un peu le point faible de l'équipe lensoise depuis quelques rencontres. Et on sait souvent que c'est très important, hein, Ludovic. Oui, je pense que Metz est à domicile. Donc le premier quart d'heure, ils vont vouloir mettre la pression et essayer de,
de marquer au plus vite. Alors en plus ils savent très bien que Lens a du mal à démarrer, ils vont appuyer sur ça. Maintenant à Lens à être attentif et puis tenir ce premier quart d'heure pour après pouvoir exploiter les comptes qu'ils auront. Ouais, d'ailleurs c'est le quart d'heure, l'un des quarts d'heure les plus prolifiques côté Messin. Ils ont marqué 7 de leurs buts, de leurs 38 buts dans ce premier quart d'heure. Méfiance donc. Allez, attention avec le jeune et la bonne intervention très virile de la part de Loïc Land. En tous les cas, dans les duels, pour l'instant, les Lensois répondent présents. Allez, Nomen Djanari qui ne peut rien. Land, une nouvelle fois, un tacle sur Sako qui s'écroule. Monsieur Fautrel, l'arbitre de la rencontre, on ne l'a pas présenté, n'a rien dit. Alors que dans les tribunes de là où on est, on voit Jean-Philippe Gébamin et Edgar Sali qui sont les 17 et 18e hommes aujourd'hui. Allez, la touche est jouée. On est aux abords de la surface lensoise. Attention, Sako qui peut se retourner, qui crochette. Et la bonne couverture de Nomen Djanari. Alors que les Lensois réclament la touche, j'avais bien l'impression qu'elle était contrée. Et attention parce que le ballon est dans la surface lensoise. Allez, il faut essayer de souffler un petit peu en dégageant ce ballon. Loin des buts de Rudy Riou. Rudy Riou qui justement va s'emparer du ballon facilement. On le sent à Ludovic dans ses premières minutes de match, c'est une pression messine quand même. Même si elle ne s'est pas concrétisée par des actions franches. Ouais, pour l'instant, Lens a du mal à se projeter vers l'avant et à se projeter dans le terrain, dans le camp de Metz. Donc voilà, ça serait bien de garder un peu le ballon là pour éteindre un petit peu ce feu de début de match. Voilà, pourquoi pas avec Jean Lemoigne. Déséquilibré, ce serait une touche lensoise quand même. On a réussi à pénétrer le camp messin en tous les cas. Pierrick Valdivia pour Ludovic Bell qui trouve un appui avec Kentus Garnon. Finalement, c'est Cachy, qui a coupé la trajectoire de ce ballon. Et le coup franc signé par M. Fautrel qui rappelle à Lord Loïc Land. Alors c'est souvent le rôle des défenseurs de montrer qu'on est présent dans les premiers duels, mettre de l'impact. Eduardo dans la surface pour Sako en position de hors-jeu. Tant mieux, ça va permettre à tout le bloc lensois de remonter, Ludovic. Effectivement, pour le moment, on a du mal à se projeter, comme j'ai dit avant, sur les buts de Carasso. Donc, essayer éventuellement de refaire monter le bloc un petit peu et puis garder un peu le ballon dans le camp de Metz pour les repousser un petit peu. D'autant qu'il y a de la qualité technique du côté lensois pour conserver ce ballon. Allez, le dégagement de Rudy Riou. À la retombée, c'est Rocky. Le ballon toujours dans les airs. Choplin qui prend le dessus sur Tousgar. Et finalement, ça arrive dans les pieds de Nomen Djanari qui va les provoquer face à deux Messins. Ce sera compliqué. Le Malgache qui finalement remporte son duel. Il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Il y a des solutions. La passe en retrait. Non, finalement, Adamo Koulibaly qui est devancé par Choplin. C'est par Bousman, excusez-moi. Et attention à cette contre-attaque. Et ce ballon jusqu'à Ledin Niaya. Première possibilité lensoise en tous les cas. Et au prix d'un bel effort de l'Alaina Nomen Djanari là-bas côté gauche. Et c'est pas terminé. Yoann Tousgar dans la profondeur. Le contrôle est un peu compliqué. Il y a un duel avec Choplin. Faut pas se laisser se retourner. La bonne récupération de Willian Cyprien. Pas vraiment de solution si ce n'est celle de Tisserand côté droit. Tisserand, le passement de jambe. Le débordement. Et le ballon était retouché par Messin, me semble-t-il. Non, finalement, il ne sortira pas ce ballon. Tiens, Cachy pour Sako. Sako, le relais avec personne. Ah, on sent Ludovic à chaque touché de balle de Sako. C'est tout le stade Saint-Symphorien qui applaudit son chouchou. C'est un joueur de qualité, c'est un buteur en plus.
Donc on voit que le danger vient principalement de lui, donc il faut le suivre, il faut le surveiller, pas lui laisser d'espace. Pour ça que je pense que Lens est un petit peu entre les deux, parce que on voit que Metz est dangereux quand a le ballon, mais ils sont aussi très dangereux en contre-attaque. Allez, Ludovic Ball pour Juventus-Gare, la limite du hors-jeu, et ce sera trop long avec la bonne sortie de Cédric Carasso en dehors de sa surface, qui dégage dans les tribunes du stade Saint-Symphorien, pardon, copieusement garni. Le stade Messin qui a quasi fait le plein aujourd'hui. Il manque juste nos supporters. Voilà. Il y a juste un pont de la tribune qui est à notre droite, là, derrière les buts de Carasso. Là, il n'y a pas de supporters en soi. Allez, Ludovic Ball qui est contré et ce sera une touche. Allez, les Messins qui ont quelques difficultés à ressortir proprement le ballon. Tant mieux pour les 100 et or. Qui ne sont pas vraiment 100 et or, on le rappelle, hein, aujourd'hui. Ils sont 100 et noirs, est-ce qu'on peut s'exprimer comme ça? Je vous laisse juge. Allez, mettre le pied sur le ballon, pour l'instant c'est assez compliqué. Lens est un peu mieux quand même, depuis 3-4 minutes ils ont remonté le bloc d'une dizaine de mètres, ils se sont installés dans le camp de Metz et ils sont un petit peu mieux. Allez, Laurent, qu'on sent un petit peu fébrile, hein, notamment sur les phases défensives. Allez, Pierre Valdivia qui va peut-être pouvoir frapper, non, il préfère écarter vers Marcel Tisserand, le centre à l'aveugle au deuxième poteau et ce sera pour personne, si ce n'est pour Romain Métaniré qui peut relancer la machine messine avec un long ballon. Ça me semble long. Comme je disais, Ludovic, derrière, on n'a pas l'impression qu'il y ait une grande sérénité dans cette défense messine, même si elle est très efficace puisqu'elle n'a encaissé que 5 buts à domicile. C'est l'une des meilleures défenses de Ligue 2, mais allez, après 10 minutes de jeu, il y a des possibilités pour nos attaquants. Ouais, on a vu quelques signes de fébrilité. On voit pour l'instant ils n'arrivent pas trop à trouver la solution. Ils sont obligés de jouer long. Et pour l'instant, comme les défenseurs lensois sont présents, ils n'arrivent pas trop à mettre Lens en difficulté. Ludovic Ball qui va faire tourner. Non, finalement, il se fait subtiliser le ballon par Rocky. Rocky qui peut décaler Sacco. Sacco et le centre au premier poteau. Fallait être méfiant. Il y avait Eduardo qui rôdait. Et l'intervention sans problème de Rudy Rioux. Voilà, Damo Koulibaly qui perd son duel face à Busman. Le jeune pour Ludovic Ball tranquillement sur son côté gauche. Alors qu'on voit, hein, Ludovic au niveau des attaquants, on permute beaucoup. On voit Damo Koulibaly côté droit, Tousgar qui décroche, Nomad Janari qui prend les devants. On aurait pu penser que Adamo Koulibaly aurait joué en pointe et que ça aurait été plus Tousgar qui aurait tourné autour. On voit que pour l'instant c'est plus Koulibaly qui occupe le côté droit. Allez, ce long ballon, peut-être la frappe de l'Alena Lomanjanari qui passe à côté, elle a été contrée sur un long ballon dégagé par Marshall. C'est revenu dans les pieds aux 18 mètres du Malgache. On revoit Ludovic au ralenti, l'importance des seconds ballons. Et cette frappe qui partait bien et qui malheureusement passe à côté puisqu'elle a été contrée. Ce sera un corner pour les Lensois. On va dire que c'est la plus grosse occasion de cette rencontre pour le moment. Allez, le corner à suivre pour Pierrick Valdivia. C'est frappé, c'est bien frappé. Non, c'était sifflé. Monsieur Fautrel veut rappeler, me semble-t-il, Koulibaly et Choplin. Je vais les rappeler à l'ordre. Le corner va être rejoué. On revoit cette action. C'en est fallu peu, Ludovic. Contré au dernier moment par le défenseur qui s'est bien jeté. Allez, le corner. Il est frappé et Carasso a quelques difficultés. Il a réussi à s'imposer tout de même, le gardien messin. Le dégagement, la bonne déviation d'Eduardo pour Sacco. Avec okay, Nomen Janari qui touche beaucoup de ballons depuis le début de la partie et qui obtient une faute intelligente de la part du... Parce que la faute a été... Bon, on va être objectif, elle est pas vraiment évident, mais voilà, il s'est écroulé, ça va permettre aux Lensois de repartir.
Je disais, Nomen Djanari, très actif en ce début de partie. Hein. Oui, oui, très actif. Et puis on peut voir que les trois attaquants, comme tu as pu le dire avant, ont beaucoup de mobilité. Je pense qu'Antoine Corvet leur a demandé de beaucoup bouger pour perturber cette défense et surtout de libérer les couloirs pour les deux latéraux. Et ne pas négliger également, il y a peut-être une main là, finalement non. Avantage laissé aux Lensois. Je disais, les attaquants qui ont un rôle défensif aussi à jouer. Et ça, on peut leur faire confiance. Ce sont de gros travailleurs, les trois hommes qui occupent le fond de l'attaque, Lensois. On peut voir encore des permutations. Actuellement, c'est Tousgar qui occupe le côté droit. Koulibaly qui se retrouve dans l'axe. Je pense que c'était vraiment une volonté de la part d'Antoine Camboré de jouer avec ces joueurs-là pour pouvoir libérer les couloirs et pouvoir permuter pour mettre un petit peu le trouble dans cette défense messine. Allez, Ludovic Bell. Pour Nomen Djanari. Le centre qui qui n'arrivera pas. Et finalement ce ballon dans les pieds de Rudy Riou. Malgré 5-10 minutes, 5 premières minutes un peu difficiles où on a été acculé sur notre but, on a quand même eu les deux plus belles occasions depuis le début du match. Et petit à petit, eh bien, la maîtrise devient lensoise. Même si là, bien sûr, il suffit de le dire pour perdre le ballon. Alors qu'il y a déjà un joueur messin qui s'échauffe. Y a-t-il un blessé chez les Grenats Lorrains? Romain Inès qui s'échauffe. Alors, on va voir parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu de contact. Il y a peut-être... Rocky qui boite un peu. Ah, je sais pas, je me demande si c'est pas Marshall qui se tient la cuisse. Ah ouais. Ouais, ça y est, on a l'impression qu'il fait le geste, il ressent une pointe. Allez, Jean Lemoine sur Sako. Sur Mbakoto. Ça va donner un coup franc pour les Lorrains dans le camp Lensois. Monsieur Fautrel va discuter un peu avec le capitaine Lensois en lui demandant de se calmer un peu parce que c'est avec son intervention. Effectué par derrière, on revoit l'image, il n'y a pas de doute, la deuxième jambe qui tacle tout. Allez, le coup franc à venir, attention, avec Rocky et le jeune pour le frapper. C'est le jeune qui va le frapper, c'est mis dans la boîte et ça va filer tranquillement, pas si tranquillement que ça, jusque dans les gants de Rudy Riou qui relance instantanément. Roulien de Cyprien. Allez, c'est bien, il y a une solution à porter là par Adamo Koulibaly. Adamo Koulibaly, le grand pont, le centre à venir. Et au premier poteau, il s'est dégagé par Marshall. Ouais, j'ai bien l'impression que Marshall va laisser sa place. Il se tient encore une fois la cuisse. On va procéder au premier changement. Alors souvent, quand on est entraîneur, on évite de le faire sur des phases défensives, notamment sur les corners. Allez, le corner à venir pour Pierrick Valdivia. C'est frappé au deuxième poteau et c'est tranquillement cueilli par Yon Carasso. C'était frappé un petit peu plus tendu. Ouais, ces ballons-là, comme on dit dans le jargon, qui arrivent avec plein de neige, qui arrivent des ballons lobés comme ça, c'est très très facile pour le gardien de pouvoir anticiper et sortir. La faute sur Adamo Koulibaly. Ouais, il y aura le changement qui va être effectué avec donc l'entrée d'Inès et la sortie de Sylvain Marchal qui décidément n'aura pas de chance hein, cette saison face au Racing Club de Lens parce que déjà au match aller il avait dû laisser ses coéquipiers après une vingtaine de minutes de jeu. C'est donc le capitaine Messin qui sort. Bon, c'est pas une surprise, on l'avait vu, hein, qui s'est tiré depuis quelques minutes, qui se tenait la cuisse. Donc, à mon avis, il doit avoir un problème musculaire au niveau du quadriceps. Ouais, c'est du poste pour poste hein, avec l'entrée d'Inès. Allez, il faut gagner ce duel. C'est fait par Marcel Tisserand avec de la vitesse. Marcel Tisserand, le centre, il était compliqué, un peu en bout de course. Il n'a pas réussi à redresser la trajectoire de ce ballon. Et donc ce ballon qui est sorti hors des limites du terrain, ça va donner un renvoi au 6 mètres
pour Yoann Carasso. Marcel Tisserand, l'intervention, ça partira directement en touche. Alors on dit, on le répète, c'était le choc de cette Ligue 2. Le troisième qui dépasse chez les leaders. 6 points d'écart entre les deux formations. L'équipe messine invaincue ici à domicile, qui a un gros, gros bilan. C'est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 2 sur ses terres. Et attention à ces coups de pied arrêtés avec un nouveau coup franc pour le jeune, excentré côté gauche. Rudy Rio demande à ses joueurs de sortir de sa surface de réparation. C'est frappé, et c'est bien frappé. Et heureusement, c'est un Lensois qui a réussi à prendre ce ballon. Mais il y avait une position de hors-jeu. J'ai envie de dire, c'est intelligemment fait là, de la part de la défense lensoise. Pour ça, assez haut. C'est pour ça que Rudy Rio, pour deux choses, demande à ses défenseurs de se mettre au 18 d'une. Pour justement le hors-jeu, et de deux, pour avoir plus de facilité à pouvoir sortir, pour qu'il y ait moins de monde devant lui, pour pouvoir justement voir le départ du ballon et pouvoir intervenir. On voit un pas de doute sur ce hors-jeu. On l'a vu à l'image, et c'est vrai que ça a permis au Lensois de récupérer bien très facilement ce ballon, sans faire trop d'efforts, juste de la concentration, être bien aligné. Jérôme Lemoigne pour Ludovic Ball, qui n'a pas trop de solution là-bas côté gauche. Était mettre ça dans l'angle mort, et voilà, difficilement géré là par Inès qui concède un corner. On voit quand même que la défense messine n'est pas sereine quand même, hein. Sur tous ces ballons en profondeur, ils démontrent quand même une certaine fébrilité. Espérons que les Lensois arrivent à en profiter. On voit Willem Cyprien qui va frapper ce corner, qui reçoit des boulettes de papier de la part des supporters messins. C'est parti, c'est bien frappé, la tête d'Adamo Koulibaly, me semble-t-il, qui est passé à côté des buts de Yoann Carasso. On revoit au ralenti. Un bon timing de la part de Koulibaly. Voilà la différence quand même entre ce corner-là et celui d'avant, où là est très très bien tiré, tendu au premier poteau, où le gardien ne peut pas intervenir. Et c'est toujours dangereux de mettre ses ballons tendus au premier poteau comme ça. Allez, en tous les cas, les Lensois qui arrivent à prendre le dessus, hein, sur... les phases arrêtées, pourvu que ça dure. Hein. Allez, Adamo Koulibaly sur la ligne médiane. Yann Tuzgar. Attention, le contre favorable. Heureusement, la bonne couverture d'Aledine Yaya. Qui a pu transmettre à Rudy Rio. Et attention, Eduardo, libre de tout marquage pour Sacco. Sacco avec Eduardo, deuxième poteau, la reprise. Et ça touche les filets. Heureusement, l'extérieur du petit filet. On a vu, même s'ils n'ont pas vraiment l'habitude de jouer ensemble, ils ont bien combiné les deux attaquants messins là. C'est très belle construction de balle avec un jeu en une touche de balle de Sacco qui sert parfaitement son coéquipier d'attaque, qui reprend le ballon. Alors c'était pas évident, hein, puisqu'il la reprend en taclant, et que le ballon qui passe de très très peu à côté du but de Rudy Rio. Allez, avertissement, un moindre frais pour les Lensois sur ce coup là. Mais bon, après 21 minutes de jeu, on peut dire qu'on assiste plutôt à une rencontre agréable. C'est agréable, ça a été un petit peu haché dans les 5-7 premières minutes. Et puis là, voilà, deux équipes qui essayent de jouer au ballon, qui essayent d'ouvrir le score. Intéressant. Allez, Willem Cyprien. Ça sera finalement une touche. Busman rapidement joué vers Sacco, qui a tenté le coup du sombrero sur Marcel Tisserand. La récupération du jeune Lensois, malheureusement la relance pas vraiment assurée derrière. Récupération Messine. Bousman à la touche pour Sacco qui décroche beaucoup. Cachy pour Inès dans le rond central. On est à gauche, on est désormais à droite avec Métaniré. Et Rocky qui a délaissé l'entrejeu messin pour venir côté droit pour Mbakoto. Et la faute de Pierre Valdivia, qui était un petit peu débordé, qui reçoit le premier carton de cette partie. On va dire logique, Ludovic, ce carton. Oui, c'est une faute d'anti-jeu. Il y avait déjà eu un joueur Lensois qui avait été réprimandé juste avant, donc il fallait s'en douter que la prochaine faute d'anti-jeu aurait été sanctionnée d'un carton jaune. On a revu à l'image
Il a posé sa main sur l'épaule de Nbakoto. Et attention à ce coup franc à venir. Avec Nbakoto, justement, qui a provoqué la faute, et le jeune. Il y a du monde dans la surface lensoise. Elle est lignée avec le marquage de Sacco. Tisserand au marquage de Chopin pour ne citer que. Allez, c'est frappé. Et la bonne sortie de Rudiriu des points qui écarte le danger. Allez, Adamo, faut faire l'effort. Il sera trop court pour récupérer ce ballon. Alors attention à tous ces coups de pied arrêtés qui sont très très bien tirés, hein, que ce soit par Lejeune ou Ngaboto. Faire attention à être au marquage. Ouais, cette équipe Messine, c'est tout simplement l'équipe qui marque le plus sur coups de pied arrêtés dans cette Ligue 2. 33% de leurs buts sont marqués sur phase arrêtée. Et je peux vous assurer, pour avoir aidé Jean-Claude Nadon, l'entraîneur des gardiens, à faire un montage pour Rudy Ryu, il y en avait des buts et des phases dangereuses de la part des Messins. C'est pas étonnant, hein, quand on voit les deux frappeurs, ça m'étonne pas du tout. Antoine Cambouaré qui donne quelques consignes à son jeune latéral Marcel Tisserand, arrivé lors du mercato hivernal. Allez, Willem Cyprien dans les airs, bousculé au milieu de trois Messins, qui va concéder la touche. Allez, Boussman côté gauche. Et la touche, c'est un schéma que l'on a déjà vu là, avec Sacco qui vient, qui décroche pour réclamer ce ballon. Ah, y a des duels, hein, dans ce match, en tous les cas. On ne laisse pas d'espace à son adversaire. C'est souvent ça, hein, les matchs au sommet. Surtout là au milieu de terrain, on voit que les joueurs essayent d'éviter de perdre ce ballon-là. Il y a un gros pressing, donc on essaye de jouer une ou deux touches de balle, ce qui favorise malheureusement certains déchets. Mais bon, on assiste quand même un match quand même assez plaisant, assez ouvert. On aurait pu penser que ça aurait été plus fermé pour un troisième contre un premier. Le carton pour Kevin Lejeune sur ce pied en avant sur Jérôme Lemoigne. Un carton partout. On le voit. Oh, il était en retard, le pied bien en avant. Ça peut être dangereux pour le joueur qui frappe dans le ballon. Carton logique. Allez, un partout au niveau des cartons. Et le score toujours de 0-0 après 25 minutes de jeu. Rudiriu, le dégagement. À nouveau dégagé par Métaniré. Le duel entre Landre et Eduardo. Alors le public de Saint-Symphorien n'est pas vraiment d'accord, mais c'est l'éternel débat, hein. Est-ce que c'est celui qui saute, c'est celui qui fait le dos rond? On revoit l'image. Le joueur messin ne saute pas, ne joue pas du tout le ballon. Donc systématiquement le joueur lensois est obligé de rentrer dans lui. Donc pour moi c'est très très bien arbitré, il y avait faute du joueur messin. Pour l'instant, Monsieur Fautrel impeccable dans cette rencontre. Allez, Yann Tousgard pour la déviation. Ah, il y a une densité de joueurs là aux abords de la surface de réparation. Il n'y a pas de faute sur Yann Tousgard. C'est un peu confus là, ce qu'on voit sous nos yeux. Avec Landre, Inès, à toi, à moi. Et peut-être pour la frappe, non, c'est William Cyprien qui préfère écarter vers Adamo Koulibaly. Adamo Koulibaly qui est déséquilibré. Et finalement, les Messins qui peuvent repartir de l'avant. Ce sera très bref puisque Aladine Yaya récupère le ballon. Alors je sais pas ce que tu en penses Ludovic, mais depuis tout à l'heure je vois le ballon sauter, j'ai l'impression que la pelouse n'est pas dans un très très bon état. Non, j'y étais au début, c'est vrai que j'ai foulé un peu cette pelouse et effectivement je peux confirmer qu'elle n'est pas dans un super état. Légèrement bosselée, elle se dérobe déjà sur devant les bancs des deux entraîneurs. On voit les joueurs qui perdent un peu facilement leur appui également. Et Nbakoto, Jean Lemoine qui a bien coupé la trajectoire. Et la main de Rocky, qui est devenu capitaine depuis la sortie de Sylvain Marchal. Allez, Ludovic Bael devant pour la déviation d'Anamo Koulibaly. On n'y parviendra pas.
finalement les Messins qui repartent avec Jérôme Lemoigne qui est bien intervenu, qui coupe les trajectoires du ballon, qui joue son rôle de sentinelle. William Cyprien, Adamo Koulibaly qui a un peu de champ, qui trouve Marcel Tisserand. Marcel Tisserand, malheureusement sur son pied, il arrive à faire la différence. Allez, il faut centrer maintenant et ce sera contré in extremis par Kashi. Et encore un corner lensois. Je pense que la différence passera par là pour le Racing Club de Lens. Il y a énormément de densité dans l'axe. On voit notamment les trois attaquants qui sont très très proches les uns des autres. Je pense que la différence se fera avec Ball sur le côté gauche et avec Tisserand sur le côté droit. Utiliser la vitesse de nos latéraux et être précis dans les centres, c'est le rôle de Ludovic Ball et Marcel Tisserand. Bien sûr, il y a un rôle défensif à tenir, également. Allez, on a changé de tireur avec cette fois-ci c'est Nomen Djanari qui va le frapper. Trajectoire rentrante, c'est frappé, c'est tendu, c'est bien frappé, la tête est piquée une nouvelle fois d'Adamo Koulibaly. Un ballon qui passe au-dessus de la barre transversale. Mais ça, ce sont des signes, hein, Ludovic, quand on prend régulièrement le dessus sur les ballons aériens comme ça, ça veut dire qu'on en veut un petit peu plus. Surtout sur les coups de pied arrêtés. Sur les coups de pied arrêtés, généralement, c'est du 1 pour 1. Donc là, c'est une question de volonté. Et on voit que là, tous les corners qui sont bien tirés, les attaquants l'an soir, ils vont prendre le dessus sur la défense messive. Mais on revient au même point. Hein. Je pense que Metz, derrière, n'est pas aussi serein que ce qu'elle a pu l'être ces derniers matchs. Donc je pense que si Lens arrive à aller jusqu'au bout de ses idées, ils ont de quoi faire. Eric Valdivia qui fait parler sa technique, l'extérieur du pied pour Johan Tuzgar, la déviation, la Nanomen Djanari dans la surface, la frappe croisée et ça passe juste à côté. Début gardé par Johan Carasso, belle phase de jeu de la part des Lensois. On revoit avec la bonne déviation de Johan Tuzgar et la frappe complètement excentrée hein, de la Nanomen Djanari, mais qui a inquiété les Messins. Là on fait la différence sur la remise en une touche de Tuzgar. Alors après c'est vrai que c'est compliqué pour Mandjari parce qu'il est quand même assez excentré. Mais bon, voilà, comme on vient de le dire, s'ils arrivent à aller au bout de leurs idées, je pense qu'ils ont des choses à faire. Les meilleures occasions de but ont été lensoises. Continuez sur cette lancée-là pour trouver finalement la faille. Allez, Bousman une nouvelle fois pour la touche côté gauche. Ça pour Marcel Tisserand. Allez, il faut gagner ce ballon. C'est Kashi qui le reprend. Il y a peut-être mieux à faire là de la part de Loïc Landre. Attention à ce ballon aérien. Il faut bien le négocier. Eduardo. Et un face-à-face avec Aladine Gaïa. Ne pas se livrer. Et la bonne intervention de Pierrick Valdivia. Oh, la faute anti-jeu de Romain Rocky. Allez, si elle était lensoise, on aurait dit que c'était une faute intelligente. Parce qu'elle a coupé le rythme de l'action lensoise. A couper la contre-attaque tout simplement. Alors quand on est éducateur dans des clubs de district, chez les jeunes, faut pas dire qu'il faut faire des fautes comme ça, mais au niveau professionnel. On incite à faire ces fautes-là. Aydin Gaïa qui a coupé la trajectoire pour Ludovic Ball. Métaniré sur son flanc droit qui trouve Ngbakoto. Qui s'emmène un petit peu les pinceaux. Récupération Ludovic Ball. Il y a peut-être encore une faute. Ouais, il s'est fait tenir plusieurs fois là par le maillot Ludovic Ball. Ça l'a empêché de partir. En tous les cas, le centre de Nomen Djanari. Yann Tuzgar était à la retombée. Mais la défense Messine a pris le dessus. Allez, Lensois qui récupère de plus en plus haut les ballons. Adamo Koulibaly. Il faut s'appliquer, allez, Nomen Djanari. Nomen Djanari qui est dans la surface, complètement excentré. Le passement de jambe, le centre, c'est bien joué. Et c'est dégagé par Choplin directement au corner. On insiste du côté des sangs et or. Avec ce centre de Nomen Djanari. Allez, le corner par William Cyprien. Les boulettes de papier qui tombent à nouveau des tribunes de Saint-Symphorien. Alors ça devient un petit peu gênant parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Monsieur Fautrel va intervenir d'ailleurs. Il y aura certainement des amendes qui vont tomber
Parce que c'est vrai que ça empêche le jeu. Allez, le corner va pouvoir être frappé. Allez, William Cyprien, c'est frappé, c'est bien frappé, nouvelle fois la tête et le but. Le but d'Adamo Koulibaly, et non, le but refusé, simplement parce que M. Fautrel a estimé qu'il y avait une faute de l'attaquant lensois qui a poussé. Alors, on est curieux de voir le ralenti, Ludovic. Ah, parce qu'on était prêt à s'enflammer. C'est ouais, pas évident. Il y a un petit geste du bras, mais j'ai l'impression que Choplin tombe assez facilement. Il y a un accrochage quand même sur le maillot de Koulibaly où on aurait pu siffler aussi pénalty. Hein. Allez, c'est pas être chauvin que de dire ça, mais c'est vrai que la décision de Freddy Fautrel est un peu sévère. Allez, le ballon dans la touche alors qu'il y a un Messin qui est au sol. C'est Sacco justement qui reste à terre. Ah, c'est dommage, hein. Ça aurait été l'idéal en tous les cas de marquer. On revoit le corner parfaitement frappé. Ouais, s'il y a faute du Lensois, il y a autant, au moins, faute du Messin. Sauf que le Messin lui s'écroule. Allez, on espère que ça n'est que partie remise. Sur ce coup-là, on a quand même deux joueurs qui sont à la lutte, qui se tiennent mutuellement le maillot. Et je pense que le but aurait dû être accordé au Lensois. Alors, léger temps mort dans cette partie puisque Sacco se fait soigner. Les Lensois qui sont autour d'Antoine Camboré, on le voit. Il donne des consignes à ses joueurs. Alors, Ludo, toi qui étais professionnel, quand on vient sur le bord de la touche comme ça, quand on est essoufflé, un peu fatigué, est-ce qu'on arrive à recevoir justement ces consignes ou alors elles passent d'une oreille à l'autre sans passer par le cerveau? Pour l'instant, je pense qu'ils sont encore assez lucides. Il n'y a que 35 minutes de jeu. Donc non, pour l'instant, ils sont encore assez lucides pour écouter les consignes d'Antoine, Antoine Camboré. Donc non, pour l'instant, je pense que ça rentre et ce n'en ressort pas pour le moment. Voilà. Par contre, à la 90e, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Ouais, là, il peut manquer peut-être éventuellement un petit peu de lucidité. Allez, revenons au jeu, Jérôme Lemoigne. Les Lensois à 11 contre 10, puisque Sacco est en dehors des limites du terrain. Pas de souci pour l'attaquant Messin qui va rentrer dans quelques instants. Attention à ce ballon par-dessus la défense et la bonne intervention nette et sans bavure d'Aledine Yaya. Et la relance propre derrière. Allez, il est hors-jeu. Ouais, hors-jeu du Juventus Gare au départ. On va surveiller Sacco quand même parce que on ne sait pas si c'est un coup ou si c'est aussi un problème musculaire. A priori, j'ai vu le kiné qui est en train de le masser, pareil sur le quadriceps. Donc je pense plus que ça doit être plus pareil une pointe de contracture. Donc à voir s'il pourra continuer la suite de la partie. Ouais, alors qu'on a vu le ralenti, hein, je m'étais un peu emballé en disant hors-jeu. Et bien, il était sur la même ligne, l'attaquant Juventus Gare. Donc cette position de hors-jeu n'aurait pas dû être signalée. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué, hein. Ça va vite. Surtout quand ça se joue à pas grand-chose. Allez, Ludovic Bell. Pour Juventus Gare qui va avoir quelques difficultés, mais il faut être présent au second ballon. C'est le cas de Pierre-Yves Valdivia, Leonardo Manjanari et finalement Inès qui dégage comme il le peut. Allez, William Cyprien, allez, faut mettre ce ballon. C'est bien joué sur le côté droit pour Marcel Tisserand. Tout de suite, c'est Lejeune qui est venu fermer le couloir. On essaie de jouer en triangle. Ça ne réussira pas côté Lensois. Et attention, Rocky qui lance la contre-attaque avec Métanieri côté droit. Et c'est bien défendu là, de la part des Lensois. Pierre Valdivia et Ludovic Bell s'y sont mis à deux. Et il y a bon coup à jouer là avec un 3 contre 3. Et il y a Nomen Janari qui attend du soutien. Nomen Janari, il a mal joué le coup. Il a tergiversé et finit par s'en mêler les pinceaux. Attention, les Messins qui sont déjà sur le fond de l'attaque. Ce ballon qui va sortir. Alors, Ludovic, dans ces cas-là, c'est qui? C'est la Nenano Manjanari qui joue pas bien le coup ou alors ses coéquipiers ne lui ont pas donné assez de solutions? Non, je pense que Nomanjari avait un 2 contre 1 à jouer. Il avait juste à décaler Valdivia qui pouvait en plus rentrer dans la surface et être face au jeu.
Ouais, il s'est servi de son appel pour rentrer intérieur, mais je pense pas que c'était le meilleur choix. Allez, on peut pas lui en vouloir. Il a essayé quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Pas fonctionné du tout même. Allez, Koulibaly. Couverture de balle impeccable. Il va gagner la touche. Ah, c'est pas une rencontre d'un grand niveau technique, hein, faut dire ce qui est. Il y a de l'engagement, il y a des duels. Et de l'intensité. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes de balles de part et d'autre. Allez, un duel justement entre Sacco et Yaya. Et le capitaine Jérôme Lemoine qui est venu prêter main forte. Allez, Marcel Tisserand. Oh, attention, c'est dangereux là, ces ballons dans l'axe. Attention à ce ballon qui va frapper le bas coteau. Et ça tombe sur le poteau. Récupération de Rudy Rioux. Oh là là, c'est Lady Nyaya qui met un savon à Marcel Tisserand. Parce que sur cette action, on est passé très proche de l'ouverture du score. Avec cette frappe ratée hein, de Ngba Koto. Qui a rebondi, qui est allé mourir sur le poteau l'ansois. Ah, ça n'aurait pas été mérité parce que les Lensois n'ont été que très peu inquiétés. Faire attention à toutes ces pertes de balles à 20-25 mètres des buts, toutes ces passes dans l'axe qui peuvent mettre une équipe en difficulté. Là, on l'a bien vu, hein, une perte de balle au milieu, malheureusement, de Valdivier ou Lemoine, je ne sais plus trop. Et le ballon qui arrive sur Enyamoto qui a failli profiter justement de cette erreur-là. En fait, c'est dans un premier temps Marcel Tisserand qui avait pas bien donné le ballon à Jérôme Lemoigne. Jérôme Lemoigne qui avait essayé de prolonger la trajectoire. Et ça avait bien servi Ngba Koto. Tant mieux, pas de conséquences pour les Lensois. Il y a une faute là sur Yann Tousgar, il y avait les deux mains sur son dos. Et la poussette derrière. Ah, il y a des vrais duels hein, dans cette rencontre. Oh là là. Inès, il ne va pas s'en sortir comme ça. Apparemment si, mais il était bien en retard là sur Yuan Tuzgar. Alors c'est un non-carton de compensation, puisque juste avant il y a eu Tisserand qui a fait plus ou moins la même faute, il lui a pas mis, donc il l'a pas mis non plus au Messin. Allez, c'est rapidement joué. Marcel Tisserand pour le centre, pour Adamo Koulibaly, la remise. Et ce ballon qui va aller jusque dans la niche de Yuan Carasso. Et le dégagement derrière, Nyaya qui ne perd quasi jamais un duel au niveau aérien. Allez, ce ballon ne va pas sortir, Adamo Koulibaly. Non, c'est pas sorti entièrement. Bel effort récompensé, puisque les Lensois vont conserver la touche. Je continue à penser hein, que le... Non, le ballon n'était pas sorti complètement. Je continue à penser que le danger lensois viendra sur les côtés. Hein. Beaucoup de densité dans l'axe. On voit qu'il y a énormément de duels, énormément de densité dans cet axe-là des deux équipes. Donc je pense que la faille se trouvera sur les côtés. Ouais, j'ai le rapport de Patrick Barul qui supervise l'adversaire pour Antoine Comboiré et qui dit le point faible. Il faut passer sur les côtés. Parce que autant sur le plan offensif, il se montre assez alerte les Messins, mais dans le repli défensif, notamment sur les côtés, il y a quelques difficultés. Donc ça corrobore un peu les propos de notre consultant du jour, Ludovic Delporte. Alors il y a de plus en plus de fautes dans cette rencontre. C'est le cas de cette faute de Loïc Landre sur Eduardo. Alors, on rentre dans un moment crucial hein, d'un match de football, c'est-à-dire les 5 dernières minutes de la première mi-temps, où généralement c'est jamais bon de prendre un but à ce moment-là, ou à l'inverse c'est très très bon d'en marquer un. Hein. Alors ce coup franc, Aledin Yaya une nouvelle fois mettre dans les airs. Allez, Willem Cyprien qui sera trop court. Attention, une position de hors-jeu de Sacco. Attention, il faut qu'Aledin Yaya prenne l'information. On a bien communiqué là, dans la défense lensoise. Allez, il y a peut-être un coup à jouer. Willem Cyprien qui a du champ libre. Willem Cyprien qui peut écarter pour l'année de Medjanari. Le centre à venir au premier poteau. Et Yann Carasso qui avait bien lu les intentions lensoises.
Alors c'est compliqué quand on arrive en bout de course comme ça, hein. On a fait déjà une grosse course, il faut garder sa lucidité. Je pense qu'il y avait un meilleur choix à faire avec Adamo Koulibaly en retrait. En retrait. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, hein, quand on est ici en tribune, quand on court pas, quand il faut juste parler dans un micro. Et quand on a un petit peu de hauteur. C'est plus simple derrière le micro, ouais. On voit tout le terrain. Quand on est en train de courir, c'est pas toujours aussi facile. Et j'imagine que du côté de Pamplune, il y a quelques commentateurs espagnols qui ont dû dire exactement la même chose sur toi à l'époque. Allez, Nomen Djanari encore une fois côté gauche, qui ne compte pas ses efforts, le centre est contré, ce sera encore un corner. Alors j'ai pas fait mes petites croix à côté de la casse corner, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup côté lensois. De gauche à droite ou de droite à gauche. Et la plupart ont été bien frappés. On doit bien être au moins au 5e ou 6e corner lensois. Oui, encore vous avez la main légère là. Hein. Allez, William Cyprien. Les boulettes qui retombent une nouvelle fois. Et voilà, Monsieur Fautrel qui demande au délégué d'inscrire ça sur son rapport. Parce que c'est vrai que ça complique un petit peu la tâche là du jeune joueur formé à la Gaillette. Alors c'est clair qu'une boulette de papier ça ne fait pas mal, mais ça peut déconcentrer, la prise d'appui peut être un peu différente. Ça sert pas à grand chose, ouais. C'est pas très intelligent et en plus ça va leur coûter de l'argent au club. Et voilà, il y a donc une annonce de la part du speaker du Stade Saint-Symphorien. William Cyprien qui s'improvise en homme de ménage. Allez, le corner. Le jeu va pouvoir reprendre. C'est frappé au point de pénalty. Un peu plus loin que le point de pénalty. Ça va sortir directement en touche. Bien sûr, c'est à chaque fois qu'on dit que la plupart des corners sont bien frappés pour que celui-ci ne le soit pas. Alors il y avait la force, il était tendu, malheureusement il était trop éloigné du but. Allez, on va rentrer dans quelques secondes dans le temps additionnel de cette rencontre, il y aura 3 minutes. Alors c'est vrai qu'il y a eu un changement, c'est vrai qu'il y a eu des blessures, les soigneurs qui sont rentrés à plusieurs reprises sur la pelouse. C'est donc logiquement qu'on va avoir un petit extra de 3 minutes. Attention, Romain Rouki aux abords de la surface de réparation, il va centrer, il n'y parvient pas. Pierrick et Valdivia peut relancer les Lensois avec Lennon Janari qui est lancé, qui va pouvoir prendre de la vitesse. Ah, c'est pas très bien joué là de la part du Malgache. Adamo Koulibaly qui va aller faire le pressing sur Juan Carasso. Cachy dans l'entrejeu qui écarte pour Métaniré. Il va pouvoir centrer, il n'est pas attaqué. Centre au deuxième poteau. Marcel Tisserand qui dégage de la tête. Et heureusement, il a reçu de l'aide de la part de Yann Tousgar qui avait effectué son travail de repli défensif. Cachy, Eduardo, ça combine bien côté Messin. Choplin. Alors, il y a du hors-jeu dans l'air. Il y avait un rideau. Lensois et récupération des Sangiors avec Ludovic Bell et Yuan Tousgar qui est seul au deuxième poteau, peut-être une solution, on ne s'est pas compris entre Nomen Djanari et Ludovic Bell. C'est sur ces actions là qu'il faut qu'ils arrivent encore à aller un peu plus vite, à se projeter plus vite puisque les Messins sont sortis et là on peut voir qu'il y avait quand même 4-5 joueurs Lensois qui s'étaient projetés vite vers l'avant et il aurait fallu je pense essayer d'aller un peu plus vite pour pouvoir justement contrer cette défense messine. Allez, ce seront peut-être les consignes que va donner Antoine Comboiré dans cette mi-temps. Encore une minute à jouer dans le temps additionnel de cette première période. Ah, Pierrick Valdivia, Nomen Djanari. Nomen Djanari pour Ludovic Bell. Complètement arrêté, on repasse derrière, il ne faut pas perdre le ballon. Et voilà, perte quand même. Et récupération de Romain Rouki et d'Eduardo. Eduardo qui va jouer dans la profondeur pour Sacco. Ce sera beaucoup trop long. Ce sera tranquillement récupéré par Rudy Ryu qui va relancer proprement la main de façon courte vers Lenin Yaya.
Il faut faire attention quand même, hein, parce que les Messins vivent de ça, hein, vivent des erreurs des autres pour justement mieux les contrer. Et on voit à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon sur une erreur lensoise, ils essayent d'aller très très vite et d'alerter très vite Sacco pour justement jouer sur sa vitesse. Allez, ce sera sans doute la dernière touche de cette première période. Monsieur Fautrel a le siffleur en bouche. Il souffle dedans pour signaler à tout le monde de rentrer au vestiaire. 0-0 à la pause. Pas un match d'une grande qualité technique, beaucoup d'intensité en tous les cas, et des Lensois qui, allez, on va le dire, hein, ils sont mieux que ces Messins. Oui, ils ont vécu 5-7 minutes difficiles où Metz sont venus les chercher très très haut. Ils ont remonté le bloc d'une dizaine de mètres par la suite, et puis c'est eux qui ont eu les meilleures occasions sur cette première mi-temps. Après, comme je disais, je pense que pour Lens, le merci viendra sur les côtés, et s'ils veulent gagner, il faudra faire attention aux contre Messins. Allez, on est sûr, il y a encore de la place. 0-0 à la mi-temps. On se retrouve bien entendu dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. Once taught, but never been told. Once.
walk on by. You've got the look. The talk of the town and the queen of style. You've got the look. So hold on, baby. Please, can I take you by the hand? Or just turn to lose. You've got it, oh, you've got it. Oh, baby, won't you give me the time? Can't you tell me now, I will lose my mind. You know that you got it, you just don't care. You've got it, oh, you've got it. My heart gonna make me cry. Don't make me cry. Now hold me tight, cause I love you so. You've got the look. And I will never ever wanna let you go. You've got the look. So hold on, baby. Please, can I take you by the hand? You've got the look. Oh, baby. You've got the look. I can see you. You've got the look. She makes me wanna dance.
De retour ici au stade Saint-Symphorien pour la seconde période entre Lensois et Messin. 0 à 0 à la pause. Bon, les Lensois plutôt à leur avantage du Ludovic, même si malheureusement ils n'ont pas réussi à trouver la faille dans cette équipe messine pour le moment. Oui, pour le moment ils ont la main prise sur ce match. Maintenant il faut faire attention aux contre-messins, de ne pas se faire contrer. Et de bien rester quand même organisé, mais pour le moment on peut dire que au point le Racing Club de Lens mène. Alors on regarde les Lensois, pas de changement hein, du côté des Lensois pour le moment. Côté Messin, on a suivi avec beaucoup d'attention cette pause, puisque Choplin est revenu plutôt s'échauffer. Il se plaint du mollet, peut-être un changement à venir côté Messin. Pour l'instant il n'en est rien. Monsieur Fautrel vérifie que les gardiens sont prêts. Et ouais, Rudy Rioux qui reçoit à nouveau des boulettes de papier, qui fait le ménage. Léger temps mort pour le moment. Dans ce sommet. Avant la reprise du match, on demande aux supporters. Dans ce sommet de la Ligue 2, entre le 3ème, le Racing qui se déplace. Alors, rapidement, un mot hein, avec le message de soutien des joueurs auprès des supporters qui ne sont pas présents aujourd'hui. Fiers de nos supporters, c'est ce qu'ils arborent sur leur épaule, sur le maillot. Un maillot tout nouveau. C'est parti à l'instant même pour cette seconde période avec un premier long ballon de Pierrick Valdivia vers Adamo Koulibaly, mais ce sera tranquillement géré par la défense messine. On le disait, Ludovic, hein, puisqu'on discutait pendant cette période, on continue à travailler, nous, hein, pendant la pause. La solution, c'est vraiment de passer sur les côtés, parce que dans l'axe, il y a une trop grosse densité. Hein. Ouais, il y a énormément de monde dans l'axe. Beaucoup de duels, beaucoup de contacts. Et je pense qu'on va trouver la faille sur ces côtés-là. Et attention, parce que pour le moment, c'est le jeune qui est sur le côté, qui s'écroule. Il n'y a pas de faute. Ludovic Ball qui se fait subtiliser à nouveau le ballon. Le jeune toujours pour Rocky. Et ce sera une touche. Attention à Sako, la remise en retrait. Et ouais, le bon retour là, de William Cyprien qui a évité la frappe adverse. Attention, les Messins comme... en première période, qui commence fort, qui met la pression, la remise, attention ce ballon, il faut le dégager, la frappe, elle va passer au-dessus, il y avait une faute de signer au préalable. On a dit, hein, même schéma qu'en première période, Ludovic, avec une pression messine. Ouais, on est reparti sur la même configuration, des Messins qui viennent chercher haut en ce début de deuxième mi-temps. On va voir comment les seniors vont réagir par rapport à ce qu'ils avaient fait en première mi-temps pendant ces 5-7 premières minutes. Alors, on parlait de la capacité de Messine à marquer des buts lors du premier quart d'heure. Et bien, c'est également le cas lors du premier quart d'heure des secondes mi-temps. Alors, attention, mais bon, c'est les Lensois eh bien, ont un bien meilleur bilan en seconde période qu'en première. Et pourquoi pas avec Willem Cyprien à côté droit, le centre dégagé par Choplin, Eduardo qui est revenu derrière, et Jérôme Lemoigne qui a accroché le maillot messin. Ce sera donc une faute pour les hommes d'Albert Cartier. Allez, dégagement de Carasso. Ngbakoto pour Eduardo qui se met sur son pied droit, le centre au deuxième poteau, il faut gagner son duel, c'est fait de la part de Big Ball et Pierrick Valdivia, et la contre-attaque, Nomen Janari qui sera trop court. Allez, de Big Ball, faut accompagner ce ballon, voilà, c'est fait intelligemment. On repart vraiment sur la même configuration hein, que la première mi-temps. Les Messins qui essayent de mettre de suite la pression pour trouver la faille en ce début de deuxième mi-temps. Allez, ce stade Saint-Symphorien qui rappelle de bons souvenirs hein, aux Lensois. On se souvient qu'ils avaient bien pris une option sur le titre en 98 lorsqu'ils s'étaient imposés 2 à 0 ici. Ils avaient également pris une sérieuse option, c'était au mois de mars lorsqu'ils étaient remontés avec Jean-Guy Wallem lors de la saison 2008-2009. Et on espère que les hommes d'Antoine Comboiré eh bien, prendront une option également aujourd'hui. Dans l'optique de la montée, on le rappelle, l'objectif principal du club artésien.
Ouais, et puis en 44 déplacements, je lis ma feuille de stats, 15 victoires pour les Lensois. Donc c'est pas anecdotique. C'est une pelouse qui réussit plutôt bien au sang et or. Jérôme Lemoigne, on joue vers l'avant pour Adamo Koulibaly qui parvient à se retourner. William Cyprien. Voilà, on a joué vers l'avant. Puis avec Valdivia, quelques difficultés à garder ce ballon. C'est vrai que la pelouse ne l'aide pas trop. Il y a une faute sur Domen Gianari. Cette intervention. Rien à dire sur cette faute. Quand même la difficulté pour les joueurs de mettre le ballon au sol. Hein. Le ballon rebondit énormément et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de déchets techniques des deux côtés. Pierrick Valdivia au coup franc, complètement excentré côté gauche, le long de la ligne de touche. Allez, pour le moment, ils ont assez bien exploité ces phases de jeu, les Lensois. C'est frappé, c'est tendu, malheureusement trop portré. Passé vers le point de pénalty. C'est dommage hein, de pas bien utiliser ces phases de jeu. Mbakoto. Derrière lui pour Choplin. Et Inès. Le pressing de Tousgar qui va mettre en difficulté Inès qui est obligé de faire tourner jusqu'à son gardien. On a vu grosse course hein, de Yuan Tousgar. Allez, attention, Mbakoto côté gauche, Mbakoto qui va pouvoir frapper la frappe côté droit du but de Rudy Rio. Frappe surprenante hein, parce qu'on pensait qu'il allait faire autre chose, Ludovic. On revoit le ralenti. Ouais, je pense qu'il y avait mieux à faire, aller chercher le 1 contre 1. Que de frapper de très loin comme ça, c'est très compliqué, très difficile. Il a arrêté en plus, donc il y avait mieux à faire. Allez, on va pas s'en plaindre. Pierrick Valdivia à la retombée du ballon qui a dévié. On essaie de redoubler les passes entre Sako et Mbakoto. Ça ne fonctionne pas. Adamo Koulibaly qui va pouvoir partir dans la surface de réparation. Et sur le côté droit, il sert Yohan Tousgar. Malheureusement, mal servi. L'attaque à Lensois, c'est pas terminé. Si, finalement, avec le bon tact de Métaniré. Mais et même s'il n'y a pas eu de frappe au but, c'était une véritable action pour les Lensois qui n'ont pas réussi eh bien, à en profiter. Allez, Kashi qui met le ballon au sol. Métaniré, le ballon était touché. Ce sera. Non, le ballon, on va sortir. Jérôme Lemoigne, la phase de jeu, on aurait pu mieux l'exploiter. Hein, là-bas, Ludovic, on voit cette image avec Adamo Koulibaly. Ouais, en fait, il a mis le centre alors que Tousgar n'avait pas encore fait la différence par rapport à son défenseur. Attention, les Messins à 25 mètres début de Rudy Rio. Le jeune qui plonge, il n'y aura pas de faute du tout. C'est là qu'il faut exploser sur les côtés. Je pense que l'apport des latéraux va être important et quand on récupère ce ballon-là, il faudrait qu'ils arrivent à exploser les deux joueurs, les deux latéraux, exploser sur les côtés pour apporter la supériorité numérique. Les Lensois qui essaient de jouer un petit peu plus haut. Ce sont les consignes d'Antoine Comboiré. On l'a vu à l'image. Oh, il y a des duels de plus en plus âpres. On voit Choplin qui se plaint encore de son mollet, qui grimace un petit peu. Lui qui est le joueur le plus utilisé par Albert Cartier. Transfert de Bastia, tout comme Sylvain Marchal. Allez, Koulibaly, la bonne déviation pour William Cyprien. L'intervention de Choplin largement en retard. Ce sera un carton jaune pour le défenseur central du FC Metz. Heureusement, William Cyprien se relève sans problème. À mon avis, l'intervention très limite de la part du défenseur Lorrain. Ce qui est marrant, c'est quand on est joueur, on n'a jamais la sensation de faire faute. Hein. Mais on voit le ralenti, on voit bien qu'il y a une faute grossière qui mérite bien un carton jaune.
Allez, le duel remporté par Willian Cyprien, ça permet à Adamo Koulibaly d'écarter côté gauche sur l'Anian Nomen Djanari. Le centre, il est bon, malheureusement, personne à la retombée. On ne l'a pas vu sur les images, mais on a vu Antoine Comboiré eh bien, dire à l'Anian Nomen Djanari que c'était bien joué. Il y avait de la spontanéité dans ce centre. Inès pour le jeune et désormais Métaniré. L'appel de Diafra Sacco. Et une nouvelle fois le duel avec Loïc Landre. C'est un vrai combat entre les deux joueurs. Et il y aura une faute du défenseur artésien. Il a voulu intervenir, il a raté un petit peu le ballon. De beaux gabarits hein, que ces deux joueurs, là, Sacco et Landre. Et attention à ce coup franc à venir avec Romain Rocchi côté droit. Ou Kevin Lejeune avec son pied gauche. Deux possibilités pour les Messins. Trajectoire rentrante ou sortante. Alors, il y a des accrochages, ce sera le jeune au deuxième poteau, au troisième, hein, mais finalement récupéré par Choplin qui remet dans la boîte et la tentative de retourner de Boussman. Complètement manqué, heureusement. On va voir ce centre à l'aveugle et cette reprise acrobatique. Prise du tibia, heureusement. Allez, Rudy Rio pour ce dégagement. Allez, la touche a joué dans le camp Messin. Et Marcel Tisserand pour Willian Cyprien. Ça va être compliqué là, ce ballon mis en cloche par Marcel Tisserand. Une main était signalée. Les Lensois qui regardent le programme joueront face à Arles-Avignon lors de la prochaine journée. Ce sera à Bollard avant un déplacement à Nîmes. Et à Monaco en Coupe de France, voilà pour le programme du mois de mars pour les Lensois. Mais bien entendu, il y a encore 35 minutes à jouer dans cette rencontre. Ah, Monsieur Faute a peut-être été un peu tatillon sur le coup. On va revoir ça à l'image. Oui, non, il y avait un petit accrochage. Voit-il qu'il y aura un coup franc alors qu'on approche de l'heure de jeu. Et comme on le disait tout à l'heure, Ludovic, est important de défendre loin de son gardien. Exactement. Je pense que c'est une volonté chez le gardien et puis pour les défenseurs, pour justement jouer le hors-jeu et puis laisser un espace conséquent pour que Rudy Rioux puisse intervenir avec moins de monde devant lui. Le jeune qui va frapper et cette tête qui va passer assez largement à côté. Elle a été contrée apparemment. Ce sera un corner à suivre. Et c'est le jeune qui va le frapper à côté des remplaçants qui s'échauffent. Les remplaçants Lensois. On voit notamment Daniel Duboya qui accélère un petit peu. Alors Kevin Lejeune et son pied gauche. Il y a du mouvement. Elle s'est frappée au second poteau. Rudy Rioux du point plonge la trajectoire et écarte le danger. Ça soulage toute une défense. Et ce ballon qui ne sort pas. Attention à Sacco pour Eduardo. Et désormais Choplin. Le ballon par-dessus la défense avec Sacco complètement excentré côté gauche. Le centre, il est contré
dans un premier temps par Ladine Yaya et dans un second temps également. Très bien défendu. Jette pas, il reste de face. Oui, c'est ça. Les consignes, c'est jamais se retourner pour éviter le crochet de l'adversaire. Sako à Ladine Yaya. Ce ballon, ce sera un corner. Les Lensois réclament un 6 mètres. On est un petit peu loin de l'action pour se prononcer. On va dire que M. Fautrel était bien mieux placé que nous. Faire attention parce que les Lensois, là, ils ont du mal à ressortir. On accumule des corners contre nous. C'est frappé au premier poteau et dégagé en corner par Pierrick Valdivia. Le public de Metz qui a compris que son équipe était dans un temps fort. Il pousse un peu. Et attention à ce corner. Cette fois-ci, c'est le jeune qui va le frapper. Rudy Riou place sa défense. Il y a du mouvement. C'est frappé au premier poteau et dégagé une nouvelle fois par Pierrick Valdivia. Allez, William Cyprien qui récupère ce ballon. Allez, faut bien jouer, il y a une bonne contre-attaque à jouer côté Lensois, il y a un 4 contre 3 à jouer avec Adamo Koulibaly qui a du champ libre, côté droit qui déborde, Adamo Koulibaly, et malheureusement elle est bien prise, c'est bien défendu par Inès. Alors que Monsieur Fautrel arrive vers son quatrième arbitre, que s'est-il passé? Alors, voilà, on parle au délégué. S'il vous plaît, ça serait dommage, vraiment dommage, qu'aucune puissance de portion de patine ne soit obligée d'arrêter leur compte. Voilà, monsieur Fautrel qui a demandé à ce qu'on arrête vraiment les boulettes de papier, sinon monsieur Fautrel eh bien, va arrêter la partie parce que c'est gênant sur les buts de Rudy Riou. Allez, le jeu reprend son cours. Allez, William Cyprien. Ah, c'est dommage. Ce sera une touche. Eduardo, côté gauche. Le contrôle et le relais de Diafra Sako. Diafra Sako qui tente le grand pont, qui s'écroule. Il réclame une faute, monsieur Fautrel ne lui a pas accordé. Et attention, le jeune, à côté droit, qui a du champ libre. Le jeune qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Marcel Tisserand, il n'y a pas de faute du tout. Eduardo qui s'est écroulé. C'est pas terminé. Il faut rester concentré. Le centre et le Eklandre qui dégage. Le jeune qui récupère à l'angle de la surface. Le relais. Et la bonne lecture du jeu là, de Pierrick Valdivia. Ah, c'est ces ballons-là. Hein. Il ne faut pas perdre Ludovic. Perd trop vite le ballon là. On le rend trop vite à l'adversaire. Ça revient trop vite devant le but de Lensois. Et attention parce que là Lensois n'est plus très bien organisé. Et voilà, la bonne défense une nouvelle fois d'Aledine Yaya. Très précieux. Allez, faut tenir parce que là le Racing est en difficulté. Alors, on est dans un temps formé sain. Je l'ai dit tout à l'heure, on accumule les corners contre nous et on n'arrive plus à faire sortir le bloc. À chaque fois qu'on a des possibilités de contre, on les exploite pas bien, on repère trop vite le ballon. Il faut remettre un peu le pied sur le ballon et faire sortir le bloc. C'est frappé, allez Nyaya qui dégage. Allez, Adamo Koulibaly, mettre le pied sur ce ballon, le conserver. Allez, Nyaya, ah c'est bon, voilà. Alors il y a un petit peu de fatigue, un peu la pelouse, un peu de maladresse technique. Eh bien, le tout fait que ce ballon est rendu au Messin. Je pense qu'on devrait bientôt assister à quelques changements. On a passé l'heure de jeu. Ça devrait bientôt bouger sur les bancs. Ouais, je ne sais pas en ce qui te concerne, mais moi je vois bien Daniel Duboyard rentrer pour conserver un peu le ballon. On connaît son aisance technique. Mais bon, on n'est pas coach. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il rentrera d'ici peu. Ouais. D'autant qu'il accélère son échauffement. Attention, Eduardo. Eduardo qui va frapper côté gauche. Bonne sortie de Marcel Tisserand. Tous les joueurs, à l'exception de Carasso, sont dans le camp Lensois. Attention, deuxième poteau.
Fausse parler, Sako qui a tenté un geste technique dans la surface, le pied sur le ballon. Allez, faut se dégager, attention pas faire de faute, Loïc Land. Et ce sera une faute sur Loïc Land justement. Et ça va faire du bien, ça va permettre au Lensois de souffler dans un premier temps et surtout de remonter. Là il faut qu'ils arrivent à faire sortir le bloc comme je l'ai dit précédemment. Vraiment retrouver une possession de balle pour pouvoir repousser les Messins dans leur camp. Et puis éloigner un petit peu le danger, puisque c'est vrai que là depuis un quart d'heure malheureusement on n'arrive pas à s'approcher du but de Carasso. Allez, pourquoi pas s'en approcher sur ce coup avec le dégagement de Rudy Ryu. Allez, Yaya, la tête. C'est bien joué de la part de Namo Koulibaly et Nomen Janari. Et voilà, un peu d'air là-bas côté droit. Ah, faut attaquer ce ballon, Marcel Tisserand. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait. C'était bien écarté de la part de Nomen Janari dans un premier temps. C'est là qu'ils apporteront la différence. Hein. C'est là que la différence va se faire. Arriver à les attirer d'un côté pour partir à l'opposé. Terminer sur les côtés. Le deuxième carton lensois, c'est Marcel Tisserand qui est averti par Monsieur Fautrel. Sur cette faute d'Eduardo. Allez, encore 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Toujours 0-0. Oh là, je le trouve un petit peu sévère. L'arbitre de la rencontre là. Et attention, nouveau coup franc à venir. Bakoto. Et une trajectoire rentrante vers le but de Rudy Ryu. Qui a placé un mur composé de deux joueurs. Allez, faut être attentif, être au marquage, avoir la volonté de prendre le dessus sur son adversaire. C'est parti, Rudy Ryu, des deux points, dégage, écarte le danger. Mais le ballon qui va revenir très rapidement, de façon peu académique, de la part de Métaniré, là, sur le coup. Tant mieux, ça sort directement en touche. Allez, faut essayer de reprendre le contrôle du jeu. Le duel aérien de Yann Tuzgar et le coup de coude de Kashi. Voilà, ça va peut-être permettre de remonter. Parce que c'est un coup franc aux abords de la ligne médiane. Ça, il y a un règlement qui dit que c'est carton jaune. Non, c'est vrai qu'il y a. C'était plus de la protection, hein, là, c'est non. Plus de l'agression. Les bras étaient. Le coude était bien écarté du bras et ça aurait pu mériter un carton jaune. Je vais même pas dire, ça aurait dû mériter un carton jaune. Voilà, vous vous en rendez compte, Ludovic Delporte qui connaît le règlement parce qu'il passe ses diplômes. Il était obligé maintenant de connaître sur le bout des doigts toutes les règles du foot. Parce que c'est vrai, des fois on est footballeur professionnel et on n'a pas la connaissance entière des règles. Hein. On est obligé de passer un module d'arbitrage et des fois il y a des règlements qu'on ne connaît pas du tout. Même quand on est joueur. Choses qui sont un peu bizarres, hein, mais bon. Allez, Yaya qui va remettre ce ballon dans la boîte. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il y a les Messins qui vont récupérer. Mais qui vont rendre avec beaucoup de politesse ce ballon. Il y a beaucoup mieux à faire là pour Métaniré. Allez, Ludovic Ball. Alors que l'on voit. Le staff des dirigeants lensois, Jérémy Martel, Jocelyn Blanchard, Didier Roudet, dans les tribunes. Allez, le corner à suivre pour William Cyprien. C'est le bon moment pour les lensois de marquer là, sur un coup de pied arrêté après un temps fort messin où ils ont réussi à laisser passer l'orage. C'est le bon moment pour leur mettre un coup derrière la tête. Alors, il y a une possibilité de la jouer à deux avec Nomen Janari. Il y a également une possibilité de jouer directement parce qu'il y a Ledin Yaya
Les grands gabarits qui sont montés, c'est frappé. Et la tête de Marcel Tisserand, le but de Marcel Tisserand. Ludovic Delporte avait raison, c'est le bon moment. Et bien c'est le moment choisi par Marcel Tisserand pour marquer et ouvrir le score pour les Lensois. Grande joie d'Antoine Comboiré et des Lensois. On le comprend. On l'a dit, hein, bien frappé. Et Marcel Tisserand qui est allé prendre le dessus, Ludovic. On revoit le ralenti. Il n'y a pas de faute. Et ce ballon qui va se loger dans la lucarne de Carasso. C'est un peu à l'image de ce qu'on parlait en première mi-temps. Tous les coups de pied arrêtés qui ont été bien tirés par les Lensois. La plupart du temps, les joueurs Lensois ont pris le dessus sur les défenseurs messins. Et puis là, 1-0 pour Lens. Alors, j'ai l'impression que nos consultants sur WEO, Opal TV et Matélé sont un peu devins parce que c'était déjà le cas de... On va suivre quand même cette action et ce centre à la ligne Yaya. Attention, il faut dégager ce ballon. Et Rudy Ryu qui sauve sur la ligne, c'est pas terminé. Le ballon qui a rebondi sur le poteau. Oh là là, on a eu chaud, chaud, chaud. Et Yohan Tousgar qui peut récupérer le ballon et jouer en relais avec Nomen Janari. Ah, on a eu très chaud alors qu'Aladin Yaya reste au sol. Monsieur Fautrel peut arrêter le jeu. Voilà, on arrête le jeu parce que l'international tunisien reste au sol. Ouais, il est ouvert au nez, je crois. Il y a du sang. Ouais, alors. Kiné et médecin du Racing se sont empressés d'aller voir ce qui se passait du côté du visage d'Aladin Yaya. Alors, c'est une coupure. On revoit cette action. Le premier sauvetage dans un premier temps. La frappe de Sako sur le poteau. Alors, où s'est-il blessé? Quand s'est-il blessé? Il me semble que ça doit être à contact avec Rudy Ryu. La tête, le sauvetage de Rudy Ryu sur sa ligne. La frappe de Sako qui va rebondir sur le poteau. C'était assez confus. Heureusement, pas de but messin. Et Aladin Yaya qui va devoir quitter la pelouse hein, parce qu'il saigne et parce que les soignants sont entrés sur la pelouse. Alors je disais pour terminer ma phrase, les consultants qui nous font le plaisir de m'accompagner sont devins parce qu'à chaque fois ils annoncent des buts. C'était le cas de Didier Sénac, c'était le cas d'Eric Sicora lors de l'égalisation à la toute dernière minute face au Havre. Et là c'est le cas de Ludovic qui nous accompagne aujourd'hui. Généralement il y a toujours quand il y a un temps fort comme ça et que malheureusement l'équipe qui a le temps fort ne marque pas, malheureusement elle se fait assez souvent punir derrière. Et ça a été le cas là où ils ont eu quelques opportunités où Lens n'arrivait plus à trop sortir. Et puis sur l'une des premières fois où ils sont sortis, ils ont eu cette possibilité, cette chance là de marquer sur coup de pied arrêté. Allez, les Lensois en passe de réaliser l'exploit de faire tomber cette équipe messine à domicile. Ça serait la première fois cette saison. Mais bon, il y a encore du temps. Il va encore se passer des choses. Aladin Yaya, en véritable guerrier, va regagner la pelouse. Ah, il n'a pas de chance avec son nez parce qu'il avait déjà été blessé en début de saison. Attention, Mbakoto. Marcel Tisserand, le jeu en triangle, c'est bien joué. Et dans la profondeur pour Yohan Tousgar qui va prendre de vitesse. Allez, Yohan Tousgar, on le sait, il est très rapide. Il est complètement excentré côté droit. Il tente l'accrocher, c'était bien joué. Et ce sera un corner. On a vu hein, toute la vélocité et la rapidité de l'attaquant Lensois qui avait réussi à récupérer 5 mètres sur son défenseur. Bon, et bien la différence de course, de vitesse entre l'attaquant Lensois et les défenseurs messins. Alors, le gros avantage de ce corner-là, c'est bien sûr on est dans le camp messin, mais en plus ça permet à Yaya d'avoir pris son... il n'a pas lui pris son temps, mais ça lui a permis de pouvoir soigner son nez et après pouvoir rejoindre ses compagnons sur le terrain. Et on se retrouve à maintenant 11 contre 11. Alors 11 contre 11 à Aladin Yaya dans la surface de réparation. Ce serait une belle histoire qu'il marque maintenant. C'est frappé, la tête et le but. Non, c'est sauvé sur la ligne. C'est pas terminé, Aladin Yaya. Et finalement, si les messins vont dégager ce ballon... Mais les Lensois sont très dangereux sur corner. On va revoir hein, dans quelques instants cette action. Il me semble que c'est Mbakoto qui saute sur sa ligne. Ouais, Aladin Yaya qui va devoir ressortir parce qu'il a encore du sang. On revoit. C'était la tête d'un messin qui a failli
trompé son propre gardien. Et c'est Metaniré finalement qui a sauvé sur sa ligne. Les Lensois qui, après avoir marqué leur cinquième but sur corner de la saison par Marcel Tisserand à la 69e minute, étaient tout proches de marquer leur sixième but. On voit à nouveau les Lensois dangereux sur coup de pied arrêté à chaque fois. Il y a une occasion de but pour les Lensois, donc il faut essayer d'en profiter, essayer de marquer le deuxième. À nouveau, on se retrouve à 10 contre 11, puisque malheureusement, Yaya est obligé de ressortir pour un problème de saignement. On a 10 contre 10, parce qu'il y a également un médecin qui se fait soigner, qui saigne également au cuir chevelu. Attention, la frappe de Metaniré qui va passer au-dessus. Heureusement, il était complètement excentré. Alors, on était un petit peu déconcentré à Ludovic qui a regardé les joueurs qui se faisaient soigner. On a vu ce bel échange et cette frappe complètement excentrée. Il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait Sacco dans l'axe. Au deuxième poteau, il y avait Nbakoto. On va mettre ça sur le fait que c'était un défenseur et non pas un attaquant. Alors, double changement côté Messin. Avec la sortie de Lejeune et l'entrée de Vion. Alors, Vion est un joueur intéressant, est un attaquant qui vient du FC Porto B. Et le deuxième changement, c'est Rocky qui va laisser sa place à Fadil Sido. Voilà, on va dire que les deux joueurs expérimentés du FC Metz laissent leur place à deux jeunes pousses de 20 ans. Alors, si Vion et Sido. Si je me trompe pas sur Vion, il a été formé ici et parti au Porto B. Il est international, je crois, avec les U19 ou avec les Espoirs, je sais plus. Et il est de retour dans son club formateur. Allez, Pierrick Valivia qui porte le ballon. C'est bien joué, il a trouvé Adamo Koulibaly. Adamo Koulibaly, il faut se mettre en position de frappe, c'est un peu compliqué. Et ne pas perdre le ballon, c'est bien fait avec le centre. En une touche de Pierrick Valdivia, malheureusement, Nomen Gianari, c'est pas dans ce domaine qu'il excelle. On n'a pas réussi à reprendre ce ballon de la tête. Willian Cyprien qui a réussi à éliminer un joueur et pas le deuxième, malheureusement. Et attention, au Messin qui repart vers l'avant. Eduardo pour Sacco. Et Ludovic Ball qui avait bien fermé, comme on dit. Très très bien défendu, elle est formée intérieure. Ouais, les Messins qui jouent maintenant avec trois véritables attaquants de métier, Vion, Eduardo et Sacco. Même si on le voit à l'image, Eduardo est obligé de revenir jusqu'à son poteau de corner pour aider ses coéquipiers. Alors, attention au Lensois quand même, parce qu'il mène au score, mais il faudrait pas se faire prendre en compte quand même derrière. Alors le jeu continue, il y a faute de Kashi. Un peu d'énervement. Et il y a un joueur qui reste au sol. C'est Choplin, me semble-t-il. Voilà. On va assister à l'entrée de Daniel Yuboya. À mon avis, à la place d'Adamo Koulibaly. Adamo Koulibaly qui aura beaucoup donné, hein. Dans cette partie, pas toujours récompensé de ses efforts. Mais voilà, un joueur généreux, on peut pas lui enlever ça. Allez, un coup de pied arrêté encore à venir pour le Racing. Nomen Gianari. C'est frappé, c'est bien frappé. La tête d'Aledine Yaya. Non, finalement, c'est Carrasso qui est allé cueillir ce ballon sur la tête du défenseur artésien. Et justement, la ligne Yaya qui se retrouve aux avant-postes, qui a pu lancer Johan Tuzgar. Johan Tuzgar qui tend un peu de soutien. Ah, malheureusement, il n'est pas réussi à conserver ce ballon. Mais voilà, il a obligé Metaniré, qui est devenu capitaine. Donc il y aura eu deux changements de capitaine côté Messin. Non, changement de plan, c'est Nomen Gianari qui va sortir.
avec Nomad Janari à la place de Daniel Duboya. On imagine Daniel Duboya à la pointe du losange du milieu en soutien de, d'Adamo et du Ntouzgar. On va voir ça dans quelques instants. Même si j'ai l'impression depuis le début de rencontre que les attaquants sont assez libres du positionnement. Ils sont assez, assez libres, assez mobiles. Il faudra quand même qu'il y en a sur les trois, puisqu'a priori c'est trois attaquants de pointe, qu'il y en a au moins deux qui occupent quand même les côtés, notamment sur les fermetures défensives. À mon avis, sur ce qu'on voit au départ, ça serait plutôt Tousgar qui occuperait le côté gauche. Allez, Sako, la bonne intervention une nouvelle fois d'Alenina Yaya. Assez bien joué là de la part de Koulibaly, en relais avec Daniel Duboya qui conserve le ballon avec son pied gauche. Il patiente et tranquillement, voilà, joue intelligemment vers Marcel Tisserand qui trouve Pierre Valdivia au 18 mètres. Par-dessus pompe, allez, Daniel Duboya et la sortie de Carasso qui a dévié ce ballon. C'était une belle action, belle construction en tous les cas, de la part des Lensois, Ludovic. Oh ouais, très belle action. On voit Duboya qui est au départ avec une bonne conservation de balle sur le côté droit, qui arrive à ressortir ce ballon-là. Il redemande dans l'espace derrière avec un super ballon de Valdivia. Et ça aurait pu être le deuxième but lensois. Alors est-ce qu'on prédit le deuxième but sur coup de pied arrêté? Vas-y, je t'en prie. On va se mouiller avec Yaya. Allez, c'est frappé. Malheureusement, pour qu'il marque, il faudrait que le ballon arrive au moins. Enfin, passe le premier rideau. Ça n'était pas le cas là sur le corner. Métanier est pour Sido et Ludovic Ball qui ne s'est pas fait avoir par la feinte du jeune Messin. À la touche et l'intervention d'Alidine Yaya. Allez, faut gagner et c'est duel, attention avec ce ballon. Sako côté droit au point de corner qui centre, il faut attaquer le ballon et Rudy Rio tranquillement sur cette tête de Sido. On a retenu notre respiration puisqu'il est arrivé lancé. Il est devenu derrière, il a porté de la supériorité dans la surface et le défenseur lensois qui l'ont pas suivi, il s'est retrouvé seul au point de pénalty et heureusement pour les lensois, il n'a pas pu ajuster sa tête. Une tête trop piquée, sans véritable danger pour Rudy Rioux. Alors, Quentin Camboré envoie Yves Bertucci, son adjoint, aller chercher un remplaçant supplémentaire. Ouais, on demande à Dem Ndiaye d'accélérer un petit peu. Voilà, on se bat. Le ballon qui est finalement écarté par Kashi jusqu'à Bousmane. Assez bien joué, aller dans la profondeur. On sera trop imprécis pour Daniel Duboya. L'idée était bonne, la réalisation un peu moins. Exactement. Donc on voit bien sur le nouveau schéma lensois. A priori, Tousgar occupe bien le côté gauche, Koulibaly le côté droit. Et c'est Duboya qui a pris la pointe de l'attaque lensoise. Donc on est passé sur un 4-3-3, mais qui va se transformer sans doute en 4-5-1 quand on n'aura pas le ballon avec ces deux joueurs-là qui vont faire les efforts défensifs. Voilà, c'est exactement ce qu'on a sous nos yeux, hein, le 4-5-1. Edine Yaya qui dégage et avec Daniel Duboya seul en pointe. Alors attention, Sako qui se met dans le sens de la marche. Et ce sera un corner pour les Messins. Allez, encore allez, avec les arrêts de jeu. Enfin, le temps additionnel, comme on dit maintenant. Encore une dizaine de minutes à jouer. Alors les Lensois jusque présent ont toujours été bons au niveau offensif sur les coups de pied arrêtés et défensifs. Il faut que ça continue. Allez, Bakoto au deuxième poteau pour la remise de Sako et le dégagement de Valdivia. Allez, Yuntusgar, une contre-attaque pour les Lensois à venir avec Adamo Koulibaly. Allez, faut pas perdre ce ballon pour Yuntusgar. La remise, Adamo Koulibaly. Jouer tranquillement vers Ludovic Ball et Jérôme Lemoigne.
On s'en est débarrassé un peu trop vite là sur ce coup. Alors, on n'aime pas beaucoup vieillir, hein, Ludovic, mais on aimerait bien 10 minutes plus vieux sur le coup. Pour le coup, pardon. Bon, 10 minutes, ça ne me dérange pas trop encore. On peut quand même noter l'excellent match de Ludovic Ball derrière où c'est vrai qu'on attendait peut-être un apport offensif un peu plus important, mais au niveau défensif, il a été exemplaire. Voilà, souvent ce qu'on demande à latéral, c'est avant tout de bien défendre et s'il peut, c'est vrai, apporter du soutien offensivement. Alors, les dernières minutes vont être difficiles hein, pour les Lensois. On le sait, les Messins vont tout jeter. Attention, allez, il fallait dégager le ballon. Willan Cyprien et Ludovic Ball, dont on parlait justement, qui dégage loin devant et pas n'importe où vers Daniel Duboya. Daniel Duboya hein, qui a joué pas mal de temps dans l'est de la France, à Sochaux, à Strasbourg également, qui avait même franchi la frontière en jouant en Allemagne. Ce qui va être important pour Daniel Duboya, c'est justement sur ces ballons-là, le fait qu'il est seul en pointe, de pouvoir garder ces ballons-là, obtenir des coups francs ou garder les ballons pour justement laisser le bloc lensois pouvoir ressortir et pouvoir l'accompagner. Alors c'est pas facile pour lui, il est seul, mais bon, il a la capacité avec sa protection de balle de pouvoir garder ces ballons-là. À la sortie de Johan Tousgar, fatigué, hein, ça se voit sur le visage de l'attaquant lensois. Il n'en peut plus, il est félicité par Antoine Camboré et Demen Diaye qui a retrouvé du temps de jeu hein, dernièrement. On pensait à un départ lors du mercato hivernal, finalement il est resté. Il a retrouvé de la confiance, il a retrouvé du temps de jeu. Et c'est donc lui qui remplace Johan Tousgar, le Sénégalais qui est directement impliqué là sur cette déviation. On rentre dans les 5 dernières minutes. À mon avis, Lens va essayer de commencer à conserver un petit peu le ballon dans le camp messin pour pouvoir justement garder ce résultat très 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 favorable pour eux. Voilà, maintenant il faut être intelligent, hein. Faut faire ce qu'on n'aime pas que nos adversaires font quand ils mènent. C'est à gagner un peu de temps, montrer un peu de malice, pourquoi pas tomber, faire semblant d'avoir mal. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous énerve hein, quand ce sont nos adversaires qui le font. Mais bon, c'est de bonne guerre. Allez, 87e minute de jeu. Toujours 1-0 pour les Lensois depuis la 69e minute. Et ce but de Marcel Tisserand sur corner. Allez, Kashi qui remet un ballon aérien. Ludovic Ball, impeccable de façon aérienne. Et Demen Diaye qui a des jambes, qui a des cannes. Et qui prend le côté gauche. Et ce sera une... touche lensoise. Alors, il n'y a pas eu faute de signaler. Je pense pas qu'il y avait faute, mais il n'y avait pas de touche pour Lens. Je ne pense pas en tous les cas. Alors, il est resté entre les deux l'arbitre. Comme il n'a pas sifflé faute, il ne savait pas trop. Il a donné le ballon au Racing Club de Lens. Alors, Demen Diaye nous aurait-il entendu ? C'est l'expérience, on va dire. Ouais. Et c'est très bien joué, cette bonne guerre. Allez, Ludo Ball. Pour Pierrick Valdivia qui avait pris l'information, qui a trouvé Daniel Duboya, qui va conserver le ballon là-bas dans le coin et gagner quelque chose. C'est bien joué là de la part du Serbe. Allez, non, il n'y a pas faute, le ballon n'est pas sorti non plus. Ah, la bonne récupération et la frappe enchaînée de Pierrick Valdivia. Dommage, il n'était pas sur son bon pied. Mais c'est bien parce que voilà, il y a 88 minutes de passé dans cette partie et il y a encore de l'agressivité. Alors ce qui est bizarre quand même, c'est que l'arbitre siffle faute et que le gardien de but relance un 6 mètres. Allez, on va dire, ça n'est qu'un détail qu'on aura oublié lorsque les Lensois eh bien, auront les 3 points de la victoire. Allez, Jean Lemagne, il faut mettre le pied sur le ballon et Demen Diaye qui dégage. William Cyprien qui joue avec Koulibaly. Allez, il fallait gagner du temps là-bas. Dans le coin. Alors ce qui est important bien là, c'est... Bien joué là pour Willan Cyprien dans la surface, la frappe, oh, il y avait mieux à faire, là il y avait peut-être Daniel Duboya dans l'axe. Le jeune Lensois a préféré frapper.
Je t'ai coupé, Ludovic. Non, il n'y a aucun souci. Ce qui est important sur ces actions-là, notamment quand on arrive à trouver Adamo Koulibaly sur le côté, c'est quand même d'accompagner le joueur pour ne pas le laisser esseler et faire ressortir le bloc pour essayer justement ou d'apporter le surnombre ou de garder le ballon dans le camp messin. Allez, le 6 mètres pour Carasso qui va essayer de dégager loin devant. Et tant mieux, c'est Jérôme Lemoine qui prend le dessus. Oh, il y a une faute là sur Daniel Luboya qui était ceinturé. Alors c'est son point fort à Daniel Luboya, hein, recevoir les ballons dos au jeu comme ça. Et avec la protection de balle qu'il a, son jeu de corps, c'est vraiment son gros point fort. Et je pense que sur cette fin de match, il va faire énormément bien au Racing Club de Lens. Ouais, toujours difficile hein, pour les défenseurs d'intervenir dans ces conditions-là. Où est l'Annecy Priant, oh là là, j'ai cru qu'Adamo Koulibaly allait pouvoir récupérer ce ballon. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Alors c'est vrai qu'il y a eu des blessures, hein, notamment celle de Yaya Oné. Alors Kashi, on ne s'embarrasse pas, hein, côté Messin, on ne construit plus. Allez, Damien Diaye. Ludovic Ball, c'est bien joué, on conserve le ballon. Alors il n'y a pas de faute sur Adamo Koulibaly. Et attention à Métaniré. Ah, c'est bien joué là de la part de Jérôme Lemoigne. Il a obligé son adversaire direct à prendre des risques. Il a provoqué la maladresse technique. Voilà, on est depuis 15 secondes maintenant dans le temps additionnel de cette partie. On voit l'importance de la victoire pour Racing Club de Lens. On voit Antoine Kobori qui est en train de rameuter ses troupes pour conserver ce très très bon résultat pour Racing Club de Lens. Allez, il y a un bon coup à jouer. Willem Cyprien qui va aller gagner un peu de temps. On pensait qu'il allait pouvoir filer au but. Il n'avait pas trop les jambes. Voilà, il a été allé gagner du temps là-bas sur le côté gauche. Bon, il y a une faute. Sans discussion possible là sur le coup. Alors c'est vrai qu'on a tendance, hein, ce que je redirais la même chose, c'est qu'on a tendance, quand c'est comme ça, quand Kongouane, de ne pas accompagner les actions. Et ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il y a un ou deux joueurs lensois qui puissent accompagner justement pour conserver ce ballon dans le camp messin. Allez, Vion, Lemoigne, dans les airs, Valdivia, on gagne les duels, on met le ballon au sol et on gagne la touche. Pour l'instant, le scénario est parfait. Damien Diaye, hein, qui fait une entrée intéressante, qui peut mettre dans la profondeur pour Adamo Koulibaly. Allez, il y a Daniel Luboya seul au centre. Oh, c'est bien défendu de la part de Inès, qui du talon a pu repousser le danger. Allez, Eduardo qui est venu chercher le ballon loin derrière, qui joue avec Boussman, qui va centrer. Attention, la bonne sortie de Rudy Rio, qui a très bien lu le jeu, qui avec beaucoup d'expérience a laissé sortir ce ballon. Ça va lui permettre de gagner quelques secondes. Dans les deux dernières minutes. Voilà, il va y avoir le troisième changement opéré par Antoine Camboire. Avec l'entrée du numéro 29, Benjamin Bourigeaud. Ah, Daniel Luboya. Allez, les Lensois qui tiennent cette rencontre par le bon bout. Damien Diaye, allez, gagner quelque chose là-bas. Ce sera une rentrée de touche pour les Messins, finalement. La longue touche, allez, Dinyaya, attention à la bonne déviation. Eduardo, attention, il y a une supériorité numérique, le décalage, la frappe, ça va passer à côté. La frappe de Yini Nbakoto. C'était ouais, la belle d'égalisation. Hein. Exactement, là il restait plus qu'une minute. Honnêtement, je pense pas qu'il peut arriver grand chose au Lensois ce soir. Voilà, on a un peu de chance. Ce ballon qui va frôler le montant droit de Rudy Rio. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, faire attention quand même, il gagne. Et ça serait dommage de se faire prendre en contre alors que qu'il reste plus qu'une minute et que les Lensois mènent 0-1. Un résultat qui est quand même. Très très important pour eux pour la remontée en première division. Il reviendra à 3 points de Metz, donc
être rigoureux et vigilant derrière. Voilà, 3 points de Metz et surtout prendrait un peu de large avec les Niortais actuellement 4e, surprenant 4e de ce championnat de Ligue 2, qui prendrait 5 points d'avance. Allez, encore 15 secondes à tenir, la déviation. Allez, Daniel Duboya, le ballon. Allez, Benjamin Bourigeaud qui est seul dans l'axe, il va recevoir le ballon. Benjamin Bourigeaud qui va peut-être pouvoir frapper. La frappe de Bourigeaud et ça passe à côté. Benjamin Bourigeaud qui n'était pas loin de marquer son premier but avec les professionnels en championnat, hein, puisqu'il a déjà marqué en Coupe de France. Cette frappe qui passe de très près à côté des buts. Allez, Monsieur Fautrel, j'ai envie d'entendre votre sifflet. Attention, Marcel Tisserand, voilà, c'est dégagé. Monsieur Fautrel qui tarde un petit peu. Ah, c'est, il y a du petit bois. Oh non, je ne suis pas d'accord du tout avec Monsieur Fautrel qui signe un coup franc. Allez, à 28 mètres début de Rudy Rioux, ça sera la dernière. Ça fait sourire le gardien Lançois. Allez, on est. Allez, pas vraiment plein axe, un petit peu excentré côté droit. Alors, je voudrais rien dire, mais bon, on est quand même à 5 minutes. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu pendant ce temps-là. Il aurait pu déjà siffler largement avant. Allez. Ce sera la dernière. Allez, moi, je parie pour une balle dans les tribunes. Ça m'irait complètement. Et c'est Sacco qui va le frapper avec son pied droit. Un mur de 3 personnes. C'est frappé, c'est enroulé et ça passe au-dessus, pas dans les tribunes. Légèrement au-dessus de la barre transversale. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette rencontre et cette victoire lensoise 1-0. Première défaite messine et victoire, Ludovic, très importante des Lensois dans l'optique de la montée. Hein. Bien sûr, très très important. Ils récupèrent déjà les 2 points qu'ils ont perdu lundi face à Tours. Et puis voilà, non, c'est très très bien. Mais on l'avait dit au début du match, hein, Lens se sent sur l'année 2014 mieux à l'extérieur qu'à domicile. Et ça s'est encore prouvé et démontré ce soir. Ouais, grosse joie les Lensois et petite échauffourée en cette fin de rencontre. Simplement parce que les Lensois sont allés voir leurs supporters. Ça n'a pas plu aux Messins. Allez, nous on va se concentrer sur la belle victoire lensoise, même si bon, ce sont des images qu'on n'aime pas voir à la fin de match. Tout ça va rentrer dans l'ordre. Belle victoire lensoise sur un but de Marcel Tisserand à la 69e minute sur un corner.